Pendant ce temps, à l'enregistrement d'un podcast hyper intéressant. Et évidemment, aujourd'hui, beaucoup voient un lien entre cette épée et celle de la légende, Excalimur. Euh, on dit Excalibur, non Non, 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 c'est bien Excalimur. Euh, ben, bah, ça c'est étrange parce que, enfin, j'ai toujours entendu... Non, euh... Et vous, vous avez déjà passé mille ans au fond d'un lac non, je, je dois avouer eh bien, que. Eh C'est tout simplement le rôle de l'AEDT, l'archéologie expérimentale de terrain. Hein, Croyez-moi, j'ai passé simplement une nuit au fond du lac de Trémelin. Le lendemain matin, je sors. Qu'est-ce qui se passe ah, Attendez, attendez. Comment ça, vous avez passé une nuit au fond du lac Enfin, vous seriez. Enrhumé, exactement. Complètement enrhumé. Ah, 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 C'est pas du tout ce que j'allais dire, mais. Bon, euh, Bouchez-vous le nez. Pardon je, ben en le pinçant, là, avec vos doigts. Allez, bouchez-vous le nez, hop, hein, hop, euh, Comme ça Bien, et maintenant, vous dites Je suis Excalibur, l'épée magique de la légende. Euh, je suis Excalibur, l'épée magique de la légende. Oh Oh, bah ben ça alors Et voilà toute l'importance de la EDT. Tilda Mackenzie. Merci pour tout. La semaine prochaine, vous reviendrez autour de la table ronde pour nous parler de la romance entre la fée Morgane et Merlin l'enchanteur, c'est bien ça? Ben, non. C'est Morgane et Berlin. Enfin, euh, vous avez idée les courants d'air qu'il pouvait y avoir dans une citadelle médiévale ou, ou vous faites semblant de pas comprendre?